Commençons maintenant la conférence. Tout d'abord, parlons de la question de l'œil céleste. Dans notre milieu de pratiquants, beaucoup de gens savent qu'il existe de nombreux pouvoirs supranormaux. Dans la société, la question de savoir si nous, êtres humains, pouvons voir les êtres vivants et des objets existants dans d'autres dimensions attire particulièrement les gens. Beaucoup recherchent intensément cela. Ensuite, parlons de ce qu'est l'œil céleste et de quelle en est la structure. J'expliquerai au passage d'abord l'expression « autre dimension » ou « autre espace » parce que cette question suscite facilement chez les gens des opinions différentes. Certaines personnes peuvent peut-être ne pas y croire, alors parlons de la manière dont on comprend ces autres dimensions dans le domaine de la science moderne. Comme vous savez, ce qui est le plus communément admis est ce que les gens appellent l'espace à quatre dimensions. Bien sûr, cette connaissance de l'espace à quatre dimensions diffère des espaces dont nous parlons, mais après tout, des recherches ont déjà commencé en ce sens. Des scientifiques américains ont remarqué qu'il ne s'agissait pas seulement d'un espace à quatre dimensions, mais qu'il existe un espace à 11 dimensions. Un scientifique soviétique a établi clairement que, selon lui, si l'univers a été formé par le Big Bang, il est impossible que l'explosion ait produit à cet instant un seul espace-temps. Il est possible qu'il existe d'autres espaces-temps. Selon sa théorie et ses recherches, il doit y avoir une vingtaine d'espaces-temps différents qui existent simultanément. Cela veut dire qu'on a déjà clairement établi qu'en plus de l'espace-temps matériel dans lequel notre société humaine actuelle existe, il y a encore d'autres espaces-temps matériels. Cela veut dire l'existence de n'importe quel espace est matérielle. Il ne s'agit pas de fantaisie ou de choses fumeuses ou illusoires. Ce n'est pas cela. Bien sûr, dans le milieu de nos pratiquants, sur cette question, on est sans équivoque et clair. Nous pensons que d'autres dimensions existent. De plus, nous voyons la forme d'existence de ces autres dimensions très clairement. Il y a de tels espaces existant simultanément dans un même endroit. Il y en a aussi qui existent horizontalement, d'autres verticalement, et il y a aussi d'innombrables mondes unitaires. Ainsi, l'univers dans son ensemble possède une structure extrêmement complexe. Il ne s'agit pas de l'image que nous voyons avec nos yeux de chair, c'est-à-dire la vaste étendue du ciel avec des galaxies et des étoiles innombrables. Ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas comme cela. La structure des dimensions et des espaces est en elle-même très complexe. Je peux te donner un exemple spécifique. Les êtres humains ont tous un corps. Ce corps est composé d'innombrables cellules charnelles. Mais ces cellules consistent pourtant en arrangements d'innombrables molécules qui, à leur tour, sont formées d'innombrables atomes. Après la fission des noyaux atomiques à l'intérieur, il y a d'innombrables électrons, noyaux atomiques et neutrons. Si l'on descend plus loin dans l'échelle microscopique, on obtient les quarks et les neutrinos. Bien sûr, on est encore très loin de la matière la plus originelle, c'est-à-dire la matière la plus microscopique de l'origine première de la matière. Notre science actuelle en est très loin. Le comprendre ne peut pas se faire sur une courte période historique. Cela veut dire qu'on n'a pas encore détecté l'origine la plus infime de la matière. Mais selon la compréhension actuelle, nous sommes tous
des substances comme les noyaux atomiques, ou même les quarks et les neutrinos. À ce niveau, il nous est complètement impossible de les observer avec un microscope. Nous connaissons seulement leur existence grâce à des mesures spéciales, mais nous ne pouvons rien voir de leur forme d'existence. Quoi qu'il en soit, à présent, les scientifiques peuvent examiner les molécules et les atomes avec un microscope. Réfléchissez. De l'espace matériel où vit l'humanité, les matières les plus grandes que nous puissions voir sont les étoiles, les autres planètes, et les substances les plus petites sont les molécules. Nous vivons entre les étoiles, ces substances à une très grande échelle, et les molécules. Nous pensons que le ciel, à l'intérieur de ce domaine, est extrêmement vaste. Mais je te dis, n'avons-nous pas découvert qu'en deçà des molécules, il y a des atomes ? Entre les atomes, alors entre les molécules et les atomes, il y a aussi un espace très vaste. Nous pensons qu'il est tout à fait, disons qu'il est distant ou qu'il est immense. De toute façon, tu ne peux pas le comprendre du point de vue d'une personne ordinaire située dans cet environnement. Quand tu entreras dans cette dimension, toi aussi tu découvriras qu'il est vraiment très grand. Entre les molécules, les atomes et les noyaux atomiques, il y a aussi un espace extrêmement vaste. Continuons plus loin, à chaque niveau, il existe un espace. Nos moyens scientifiques actuels ne peuvent examiner au microscope que l'arrangement des molécules, qu'examiner la molécule comme un point, que détecter l'existence des atomes, les détecter comme un point, mais non comme une surface. S'il y avait une sorte de grand télescope, un grand microscope, un grand instrument de ce type qui puisse examiner ce à quoi ressemble le plan d'existence des atomes, le plan tout entier de l'existence des noyaux atomiques, celui des quarks et également celui des neutrinos, tu verrais l'existence d'autres espaces. Les espaces dont nous parlons qui existent au même endroit et simultanément sont en fait juste semblables à cela. Allons plus profondément. Dans le milieu du Qigong, nous disons souvent que l'esprit originel de l'homme ne disparaît pas. Cela veut dire que les gens ne meurent pas vraiment. Bien sûr, dans le passé, il y avait d'autres façons de voir cela. Dire que l'homme avait une âme, dire de telles choses, c'est une superstition, n'est-ce pas? Mais l'esprit véritable dont nous parlons, est-il la même chose que l'âme dont on parlait autrefois? Eh bien, nous n'osons pas le dire de cette façon, parce que ce dont on parlait est quelque chose de très vague. Cela veut dire que la vie d'une personne ne disparaît pas quand celle-ci meurt. Pourquoi? Si tu regardes cela en utilisant les pouvoirs supranormaux, au moment où une personne meurt, ce n'est que la couche de tes cellules les plus grandes, formée de molécules, qui se détachent tandis que les corps constitués d'atomes, de noyaux d'atomes, de neutrons, etc., si l'on va plus loin dans l'échelle microscopique, n'ont pas été détruits. Ils existent simplement dans d'autres dimensions et tu ne peux pas les observer. Ils ne peuvent pas être vus avec les yeux de chair. Ainsi, ce que tu as vu mourir n'est rien d'autre que le corps de chair d'une personne. Nous allons illustrer cela par un exemple. Comme les physiciens aujourd'hui le savent, le corps humain est fait de cellules qui sont formées par des arrangements d'innombrables molécules. Et les molécules, à leur tour, sont composées d'innombrables atomes. Réfléchissez. Faire subir aux atomes une fission nécessite une masse extraordinairement lourde et une collision à très haute vitesse, n'est-ce pas? C'est cela qu'il est nécessaire. À la température d'un four crématoire, il est impossible d'obtenir la fission des atomes. Il est impossible de détruire les noyaux atomiques. C'est pourquoi toi-même, de l'autre côté, n'as pas été touché du tout. Si tu pouvais réellement entreprendre la fission des noyaux atomiques, alors je dirais, la combustion d'une personne dans un four crématoire serait une explosion nucléaire. Je dirais que cela pourrait détruire une ville. Le corps d'une personne a assez d'éléments atomiques pour amener la destruction sur une grande échelle. Ainsi, je te dis que d'un point de vue scientifique, tous les noyaux atomiques, les quarks, les neutrinos, tout ce qui existe dans ce corps humain à une échelle encore plus microscopique n'a pas été détruit. Il s'agit simplement de la disparition de ton corps matériel dans cet espace actuel. Mais en fait,
Il est matière et ne peut pas être anéanti. Même si tu arrivais à le détruire complètement, les particules physiques les plus fines ne disparaîtraient pas. À une échelle très microscopique, nous avons observé qu'être une personne ou être ce que nous appelons le vide. Le vide signifie qu'il n'y a rien là. En fait, le vide lui-même est une matière. Parce que, comme je l'ai dit, si nous descendons à une échelle inférieure, l'origine de la matière est encore loin de ce que nous connaissons actuellement. Nous avons simplement parlé d'autres dimensions. Si d'autres dimensions existent, leurs formes d'existence dans le temps et dans l'espace sont très différentes des nôtres. C'est-à-dire que la composition de leur temps et de leur espace est différente. Alors les entités vivantes, les organismes vivants et les substances dans ces espaces sont vraiment différents de ceux qui sont ici. Et la différence est énorme. L'ouverture de l'œil céleste dont nous parlons, nous utilisons l'autre œil de l'homme pour dépasser l'espace matériel actuel et voir directement la forme d'existence d'objets dans d'autres espaces matériels. C'est ce que nous voulons dire par ouvrir l'œil céleste. Mais parlant d'ouverture de l'œil céleste, où est l'œil céleste? Il a une structure très complexe. Le canal principal de l'œil céleste est juste entre les deux sourcils, un peu au-dessus du point entre les deux sourcils, là dans cette région sur le front. L'œil céleste de certaines personnes est bloqué. Celui d'autres personnes a un passage. Le passage de certaines personnes est très irrégulier. Certains sont triangulaires, d'autres rectangulaires. Il y en a de toutes sortes. Grâce au Shulian, après la naissance, il pourra devenir rond, très rond. Cet œil céleste dont nous parlons trouve aussi une explication du point de vue de la science moderne. Dans le passé, on disait que lorsque l'œil céleste était ouvert, on pouvait voir d'autres scènes. Mais les gens ont besoin de leurs yeux pour voir, n'est-ce pas? Tu n'as pas un œil ici. N'es-tu pas en train de parler de manière idéaliste? En fait, je te le dis, il n'y a rien d'idéaliste, c'est scientifique. Ce n'est pas quelque chose de complètement mystique. Je vais te donner un exemple. Nous avons toujours pensé que seul ce que les yeux humains peuvent voir existe réellement. C'est ce que pensent beaucoup de personnes. Je crois ce que je vois avec mes yeux. Et si mes yeux ne peuvent le voir, je n'y crois pas. C'est pourquoi nous pensons toujours que de telles personnes n'ont pas une bonne qualité d'éveil. Les personnes de ce genre ont tendance à devenir très étroites d'esprit. Donc, elles sont difficiles à sauver, car ce que l'on voit avec cette paire d'yeux n'est pas la vraie physionomie de l'univers, mais seulement la forme d'existence dans cet espace matériel. Cependant, il y a de nombreuses formes d'existence dans d'autres dimensions. Il y a aussi de nombreuses autres dimensions, mais la perception de tout cela a été complètement bloquée par notre paire d'yeux charnel. Cette paire d'yeux humains ne te laisse voir que cet espace matériel. Elle t'empêche de voir les autres espaces matériels. Ouvrir l'œil céleste dont nous parlons, c'est contourner cette paire d'yeux pour éviter de voir par eux et user d'autres moyens pour observer la réalité de l'univers. C'est cela, ouvrir l'œil céleste. Comme nous l'avons dit, le passage principal est ici. D'un point de vue médical, nous disons que lorsque l'œil céleste est ouvert, chacun sait que la science médicale actuelle pense que lorsque les yeux d'une personne voient des objets, ce ne sont pas les yeux eux-mêmes qui produisent directement l'image. Ils ne sont juste qu'un instrument. Pour voir un objet, une personne ou un objet, pour voir son apparence, ce qu'elle porte, sa couleur et sa forme, tout cela se reflète dans le cerveau de la personne. Cela veut dire que ce que tu vois est transmis à travers les yeux, à travers le nerf optique, vers la partie arrière du cerveau humain, vers la région de la glande pinéale dans le cerveau humain. Et cela est réfléchi dans cette région. En fait, quand les personnes voient quelque chose, c'est à l'intérieur du cerveau, c'est le cerveau qui voit. Les yeux ne sont rien d'autre qu'un instrument. Comme l'objectif d'un appareil photo ou d'une caméra vidéo. Quand il fait très sombre, l'ouverture s'agrandit. Autrement, il y aurait une exposition insuffisante et tu ne pourrais rien voir sur l'image. Pour l'œil humain, c'est la même chose. Quand une personne entre dans un endroit très sombre, les pupilles se dilatent immédiatement. Autrement, tu ne serais pas capable de voir quoi que ce soit.
Quand tu vas dans un endroit très éclairé, à l'extérieur par exemple, les pupilles se contractent immédiatement et le diaphragme d'un appareil photo doit aussi devenir plus petit. Sinon, il y aura surexposition. Ce sera entièrement noir et tu ne pourras rien voir. L'œil humain est comme cela aussi. Quand tu vas à l'extérieur, la lumière éblouit tes yeux, tu ne peux pas voir les objets et les pupilles se contractent immédiatement. Si elles ne se contractent pas assez vite, une personne doit scier des yeux avant qu'elle ne puisse voir les objets clairement. Ainsi, la structure est tout à fait semblable à celle des lentilles d'un appareil photo. Un appareil photo produit des images sur un film. Une caméra produit des images sur la bande vidéo. Quand une personne voit une image, c'est le cerveau qui produit l'image. Mais c'est précisément cette paire d'yeux qui obstrue pour l'être humain la vision réelle de l'univers. C'est pourquoi quand une personne dit « ce que je vois avec mes yeux, j'y crois. Ce que je ne vois pas, je n'y crois pas ». On a toujours affirmé dans le milieu des pratiquants qu'une telle personne n'a pas une bonne qualité d'éveil, qu'elle ne peut pas être sauvée. En voilà la raison. C'est pourquoi personne ne peut le comprendre clairement, personne ne peut l'expliquer clairement. Certains pourraient dire, comme on voit de cette façon lorsqu'on observe avec l'œil céleste, n'avons-nous pas besoin encore d'une sorte d'instrument, quelque chose comme la structure d'un œil pour pouvoir voir les objets? Sinon, sans cette chose, ça ne fonctionne pas non plus. En réalité, ce n'est pas que nous n'ayons pas d'œil à cet endroit. Cet œil se développe dans un autre espace, existe dans un autre espace-temps. Mais il peut voir à travers notre espace comme à travers d'autres espaces. Seulement, on ne peut pas en voir l'existence avec les yeux de chair d'un homme ordinaire. Voilà pourquoi il existe aussi un œil. Tu sais, la glande pinéale dont nous avons parlé est appelée dans l'école taoïste le palais Niwan. Le palais Niwan dont on a toujours parlé est en fait la glande pinéale. Sa forme d'existence dans l'autre espace s'appelle alors le palais Niwan. Évidemment, la science actuelle a déjà compris cela. Ouvrir l'œil céleste dont nous parlons est ouvrir ton canal. En droite ligne sur la glande pinéale, dans cette position, se trouve le canal permettant à la glande pinéale de voir à l'extérieur directement. C'est ce que nous appelons ouvrir l'œil céleste et voir les objets avec la glande pinéale. Mais comme je l'ai dit, d'un point de vue médical, si tu n'as pas cette forme d'instrument, comme un œil, tu ne seras pas capable de voir. En fait, il existe un œil. La médecine moderne l'a aussi découverte grâce à la dissection. On a découvert que dans le cerveau humain, devant la région de la glande pinéale, il existe un œil. On pense qu'il s'agit d'un œil dégénéré, mais rien ne manque à sa structure lorsqu'on la compare avec celle de nos yeux extérieurs. Elle est la même. Ainsi, on pense que par le passé, l'homme devait avoir un troisième œil, mais comme il a changé et évolué, cet œil s'est atrophié et s'est retiré à l'intérieur du cerveau humain. C'est ce qu'on pense. Bien sûr, c'est leur manière d'en parler. En fait, nous disons que cet œil existe simplement comme cela. De toute façon, la science médicale est déjà parvenue à connaître l'existence de cet œil. Aussi, nous ouvrons le canal ici et nous utilisons cet œil pour voir. Ainsi, je pense que cela s'accorde avec ce que nous disons actuellement dans le milieu des pratiquants à propos de voir avec l'œil céleste. J'ai dit aussi, bien sûr, sa structure n'est pas aussi simple. Elle est plus complexe. Elle est très complexe. Parce que l'œil céleste n'est pas seulement un canal, c'est aussi tout un grand système. Un système extrêmement complexe. Il est en liaison avec tous les pores de ton corps. Alors, dans le passé, il y avait des gens qui, après avoir ouvert leur œil céleste, pouvaient voir avec leurs mains, avec leur ventre, ou même avec leurs pieds, ou l'arrière de leur tête. L'école taoïste dit que chaque ouverture est un œil. On appelle les points d'acupuncture ouverture. L'école bouddhiste dit que chaque pore est un œil. Ce qu'ils disent est tout à fait raisonnable. Bien sûr, quand tu as atteint un haut niveau dans le Xiulian, tu découvres qu'il en est ainsi. Nous pouvons voir avec chaque endroit. Autrement dit, lorsque l'œil céleste est ouvert, il doit y avoir un œil de ce genre. À l'extérieur, il doit exister un œil de ce genre. Seulement, si tu l'as, tu peux voir. Sans cet œil, tu ne seras pas capable de voir. C'est pourquoi, après avoir ouvert l'œil céleste, certaines personnes se sentent éblouies. Elles ne peuvent rien voir. Il semble que la lumière éblouit leurs yeux parce que justement, elles n'ont pas cet œil. Mais dans des circonstances normales, chacun a cet œil. Pourquoi ? Beaucoup de gens, que ce soit par la pratique, peuvent voir. Car comme je l'ai dit, cultiver dépend de soi-même et le gong dépend du maître. À part les maîtres de l'école de Bouddha et de l'école taoïste que nous connaissons, il y a encore toutes sortes de matières dans l'immensité de l'univers. Celles-ci possèdent toutes de grands pouvoirs divins et peuvent t'aider directement.
Elles peuvent voir que telle personne est bonne, que son œil céleste est déjà ouvert. Elles vont peut-être développer un œil pour toi, pour te permettre de voir. Pour ceux qui ont un maître, le maître transformera directement un œil pour toi, alors tu pourras voir. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont leur œil céleste ouvert et peuvent voir. C'est parce que tu as cet œil. Il est à l'extérieur de la couche extérieure de notre peau. Il existe dans une autre dimension. Bien sûr, même si tu as cet œil et que le passage est ouvert, tu ne verras pas nécessairement très clairement. Il y a aussi la question des niveaux. Maintenant, j'aimerais parler de la question du niveau de l'œil céleste. Pourquoi est-ce que certaines personnes voient ainsi tandis que d'autres voient autrement? Pourquoi voit-on différemment une fois l'œil céleste ouvert? C'est parce que le niveau de chacun est différent. Ce qui veut aussi dire la raison pour laquelle les niveaux sont différents réside dans le fait que la qualité innée des gens est différente. Parce qu'autour du passage de l'œil céleste, il existe un champ dans lequel il y a une substance tout à fait essentielle. Nous l'appelons l'essence raffinée du qi. Cette chose est très précieuse. Elle provient de la transformation de la matière la plus précieuse contenue dans notre de. Comme l'ouverture de l'œil céleste est différente pour chacun, autrement dit, comme chacun a une quantité différente de cette essence raffinée du qi, si une personne a préservé son essence raffinée du qi, une fois l'œil céleste ouvert, elle peut voir très clairement. Si une personne a très peu de cette essence raffinée du qi, après l'ouverture de l'œil céleste, elle ne peut pas voir clairement, ou même, par exemple, de toutes les personnes qui sont assises ici, certaines peuvent voir de la lumière, d'autres voient le Falun, d'autres ne voient rien du tout. D'autres peuvent voir des entités vivantes, d'autres ne peuvent pas les voir, d'autres peuvent voir. Même les lumières que certaines personnes peuvent voir sont de couleurs différentes. Il en est ainsi parce que c'est déterminé par ton niveau. Alors pourquoi est-ce différent pour chaque personne? Comme je viens de le dire, c'est parce qu'il y a une différence dans la qualité innée. Alors concrètement, comment ça marche? Je l'ai dit, pour le Shulian authentique, on doit accorder de l'importance aux deux vertus. Mais les gens ordinaires qui se sont développés aujourd'hui ont de la peine à savoir ce qui est vraiment bon ou mauvais. Bien sûr, quand je dis cela, certains n'y croient pas vraiment, disant « J'ai reçu une bonne éducation, je ne serai pas capable de discerner le bien du mal, ce que tu dis, c'est pratiquement m'insulter. » En fait, je le dis à tous, comme je l'ai déjà dit hier, les critères moraux de la société humaine ont chuté, ont été déformés. Si quelqu'un prenait aujourd'hui Lei Feng comme modèle et agissait comme lui en son temps, les gens diraient qu'il est un imbécile, qu'il est incompréhensible ou même on se moquerait de lui. Car les critères moraux ont été déformés. Les critères de jugement ont déjà changé. Si tu utilises des critères qui ont chuté pour évaluer les choses, alors je dis que tu es loin à côté parce que toute l'humanité est en train de chuter. Mais il y a un critère immuable pour juger du bien et du mal. C'est ce que nous avons dit hier. Il s'agit du principe cosmique de Zhen Shanren, authenticité, bonté, patience. Il est immuable. Si l'on juge d'après ces critères dégradés, on est loin à côté. Ainsi, quand les gens ont fait quelque chose de mauvais, si tu leur dis qu'ils font quelque chose de mauvais, ils ne te croiront pas. Non seulement aujourd'hui, mais depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant, car les gens sont tombés dans l'illusion. Tombés dans une société déjà dans l'illusion. C'est pourquoi ils ne peuvent pas voir la nature fondamentale de la matière. Ils ne peuvent pas voir la réalité de l'univers. Ils pensent que la plupart des choses que l'homme recherche sont bonnes. En fait, c'est exactement le contraire. Elles sont toutes mauvaises. Notre société humaine est précisément à l'opposé de ce qui est de l'autre côté. Ce que tu considères comme bon n'est pas nécessairement bon. Ce que tu considères comme mauvais n'est pas nécessairement mauvais. Chacun sait. Comme être humain, chacun aime ses enfants et en prend soin. Nous aimons et prenons soin de nos enfants et craignons qu'ils aient froid ou prennent froid. On craint même que dans le futur, dans la société, ils soient maltraités. On veut leur enseigner à devenir plus futés et plus dégourdis. Lorsque tu vois de l'argent, ramasse-le. Comment peux-tu être aussi stupide? D'autres te maltraitent. Pourquoi ne vas-tu pas vers leurs parents ou leurs instituteurs? De toute façon, depuis tout petit jusqu'à l'âge adulte, les enfants sont tous éduqués de cette manière. Cet enfant est à la naissance comme une feuille de papier blanche. Comme tu l'éduques de cette manière, il devient de plus en plus ordinaire. Alors, il va tomber dans la grande cuve de teinture que sont les gens ordinaires. À ce point, ce qu'il a dans son œil céleste va être graduellement perdu, perdu de plus en plus. Plus il se transforme en ce genre de personne auquel ton éducation le fait ressembler, plus il perd. Il y a certains d'entre nous qui sont toujours maltraités dans la société.
Quand ils sont maltraités, eux-mêmes n'y prêtent pas attention et ne se défendent même pas. Ils n'émettent aucune plainte. De plus, les personnes de ce genre aiment souvent aider les autres, mais n'en reçoivent jamais aucun bien. Cependant, souvent, dès que ces personnes se mettent à pratiquer le gong, elles voient qu'elles peuvent le développer très rapidement. Dès que leur œil céleste est ouvert, elles voient beaucoup de choses. Moins les gens nuisent aux autres, mieux ils préservent cette chose. Ce sont des gens qui se désintéressent des affaires du monde. Évidemment, on ne peut plus dire des gens d'aujourd'hui qu'ils sont désintéressés des affaires de ce monde. Ceux qui prennent leur intérêt personnel avec un peu plus de légèreté ont peut-être préservé un peu plus de cette chose. Quand l'œil céleste s'ouvre, ils peuvent voir très clairement. Cela veut dire que le peu de cette essence raffinée du chi humain se perd lorsqu'on commet de mauvaises actions, lorsqu'on blesse les autres, lorsqu'on leur fait du tort pour un gain personnel. Parfois, tu penses que telle chose est tienne, mais en fait, elle n'est pas tienne. Comme c'est instable, alors il est difficile de savoir si oui ou non l'argent, la fortune ou certains objets matériels en fait t'appartiennent. Quand tu te disputes avec les autres pour les posséder, quand tu les obtiens par des moyens illicites ou par n'importe quel autre moyen violent, tu pourras peut-être leur en être débiteur, car tu t'empares de ce qui appartient à d'autres. Dans ce cas, tu dois donner aux autres du « de » en compensation. Et l'essence raffinée du « chi » emmagasinée dans ton œil céleste sera aussi dissipée et perdue. Ainsi, les enfants, souvent de très jeunes enfants, peuvent voir très clairement quand leur œil céleste est ouvert. Mais plus ils deviennent capables de comprendre la société et se mettent à ressembler aux gens ordinaires actuels, plus ils vont perdre cette substance. Évidemment, ce n'est pas absolu, mais il y a beaucoup de gens qui sont vraiment très bons. Les gens ont toujours dit. Dans le passé, les gens qui pratiquaient le gong disaient « Le maître recherche un disciple, ce n'est pas au disciple de rechercher un maître. Cela veut dire qu'un maître doit sélectionner une telle personne. » Son « de » sera abondant et les choses qu'il a préservées très bonnes. Comme je l'ai dit auparavant, ceux qui ont préservé beaucoup de cette essence raffinée du chi pourront voir très clairement. Ceux qui en ont moins ne verront pas clairement. En plus, avec un petit peu plus ou un petit peu moins de cette essence raffinée du chi, avec une très faible différence, le résultat différera grandement. Par conséquent, il est très difficile de trouver deux personnes dont le xing-xing soit à peu près le même. Comme beaucoup de gens ici présents dans cette salle de conférence ont l'œil céleste ouvert, si on veut trouver dans ce champ deux personnes qui soient au même niveau et qui voient tout de la même manière, ce sera très difficile, car c'est déterminé par le niveau. Et ce niveau, à son tour, est contrôlé directement par le Fa. Alors, puisqu'il s'agit du Fa à des niveaux différents, il y a aussi des manifestations différentes. Ainsi, sur ce niveau, tu peux voir cela de cette façon. Sur cet autre niveau, tu le verras d'une autre façon. Pour cette raison, seuls ceux à un très haut niveau peuvent voir la vérité. Il est arrivé par le passé que des élèves et des disciples du Falun Gong pensent durant leur pratique que leur œil céleste est très bon. Ils s'en vantent en disant aux gens « Tu es possédé, tu as ceci, tu as cela, telle et telle chose. Je te dis, ce que tu as vu n'est rien. Ce que tu as vu n'est que projection de l'esprit. » Concernant certaines choses, tu ne peux pas en voir les liens de causalité et d'affinité. Tu ne peux pas voir ce qui est vrai. Qu'est-ce que la possession par un esprit ? La possession par un esprit est les informations amenées de tes vies précédentes par la loi de causalité. Peux-tu les différencier ? En réalité, il ne s'agit que d'informations venant des vies précédentes. Tu dis que c'est la possession par un esprit, cela amène les gens à paniquer. N'as-tu pas saboté le Fa? Nous l'avons dit encore et encore. N'utilise pas l'œil céleste pour mesurer chez une personne la hauteur du gong, ni la quantité ou le niveau des pouvoirs supranormaux. Ce n'est qu'en considérant le xing-xing qu'on peut juger si une personne est bonne ou mauvaise. Seulement alors, on peut déterminer le niveau de cette personne. Beaucoup de gens sont verrouillés. Ceux qui ont beaucoup de deux s'élèvent par le xiulian en étant verrouillés. Même verrouillé pendant très longtemps. Un tel a développé beaucoup de pouvoirs supranormaux, mais chez lui, ils ont tous été verrouillés. Ainsi, il n'a rien. Ce qui garantit qu'il ne développe pas d'attachement et qu'il cultive à un niveau encore plus haut. Ne fais pas attention au fait que tu as développé du gong ou que tu peux voir très clairement. Peut-être que d'autres personnes sont bien, bien meilleures que toi. Nous ne pouvons pas déterminer le bon du mauvais à partir de cela. Dans l'histoire, cela s'est passé aussi de cette façon. Mais cela peut amener la confusion chez ceux qui ont des attachements très forts. Ils recherchent cela, c'est pourquoi ils y sont attachés. Il s'agit aussi de la question de la qualité innée et de la question de la qualité d'éveil. Fondamentalement, ce que tu peux obtenir, que tu puisses cultiver ou non, que tu puisses atteindre le but ou non, dépend directement, à mon avis, de tes aspirations. Je viens de parler de la question de l'essence raffinée du chi,
de la question qui détermine le niveau d'une personne. En même temps, nous avons encore une autre question cruciale qui détermine le niveau de la personne. J'ai dit que cultiver et pratiquer à l'intérieur du fa de ce monde, parce que le Xiulian est divisé en deux niveaux majeurs, le Xiulian à l'intérieur du fa de ce monde et le Xiulian au-delà du fa de ce monde. Dans le fa de ce monde, le Xiulian est le processus de cultiver et de pratiquer avec le corps charnel de l'homme ordinaire. Cela s'appelle le Xiulian dans ce monde. C'est différent de ce qu'on appelle dans les temples, dans le monde séculaire ou hors du monde séculaire. Nous en discutons maintenant en rapport avec la science contemporaine du corps humain. Il s'agit de la division en deux niveaux principaux du corps humain. Le Xiulian au-delà du fa de ce monde désigne le Xiulian d'un corps de Bouddha. Cela s'appelle aussi le Xiulian du fa d'Arhat. Il s'agit du Xiulian avec un corps qui a déjà été remplacé par des substances hautement énergétiques. On a déjà atteint le statut du fruit, le statut de l'arhat, mais on doit encore endurer la souffrance parmi les gens ordinaires. On doit encore se tremper et se polir au milieu des gens ordinaires. Donc les gens ordinaires ne peuvent pas alors voir qui il est véritablement. Seuls ceux dont le niveau de l'œil céleste est très haut peuvent le voir. C'est pourquoi une fois qu'on a dépassé le Xiulian du fa de ce monde, il y a là encore un problème. Le niveau de l'œil céleste est encore déterminé par autre chose. Ces gens ont de nombreux yeux qui apparaissent sur leur visage. Combien y en a-t-il? Leur nombre est illimité. Pour ceux qui en ont plus, les yeux sont partout sur le visage. Pour ceux qui en ont moins, il y en a un là, un ici, encore un autre là. Dans les circonstances normales, à part le passage principal à l'endroit de Shangen, l'école taoïste l'appelle Shangen, c'est-à-dire à la racine du nez, à cet endroit, il existe un canal secondaire principal par lequel généralement les gens voient. Entre les deux sourcils et aussi sous cet œil, il existe différents passages secondaires de cet œil. Ce sont aussi des facteurs qui déterminent le niveau d'une personne. Bien sûr, en obtenir plus n'est possible que si on atteint un niveau très élevé. Nous n'en parlerons pas, car si je l'expliquais, tu ne pourrais pas l'accepter, parce que ton Xiulian est actuellement trop loin derrière. Ainsi, ces choses ne seront pas discutées. Dans le futur, quand tu te seras élevé à ce niveau, tu connaîtras tout. Je viens d'expliquer un peu la structure de l'œil céleste. Maintenant, je veux parler des phénomènes qui apparaissent quand on ouvre l'œil céleste par soi-même. Chacun sait que dans le passé, l'œil céleste de nombreuses personnes s'est ouvert par la pratique du Qigong. Beaucoup de gens ont eu des réactions et des états différents lors du processus d'ouverture de l'œil céleste. J'aimerais t'en expliquer quelques-uns. Tout d'abord, lorsqu'on ouvre l'œil céleste, on sent que le front est ballonné, qu'il est inconfortable. Faites attention. Lorsque je parle de la structure de l'œil céleste, j'ouvre l'œil céleste pour tous ceux qui pratiquent authentiquement le Falun Gong, qui cultivent et pratiquent dans notre Falun Dafa et qui le font vraiment. Pour ceux qui ne peuvent pas se détacher de leur maladie, nous devons les observer et nous n'osons pas le garantir pour des personnes de ce genre. Pour ceux qui cultivent et pratiquent vraiment dans Dafa, il sera ouvert pour chacun. De plus, il faut l'ouvrir pour toi, l'ouvrir complètement. Que tu puisses voir clairement ou non dépend encore de facteurs personnels. Bien sûr, cela ne revient pas à dire que si j'ai moins de cette essence raffinée du qi et que je ne peux pas voir clairement, lorsque l'œil céleste s'ouvre, c'en est fini pour moi dans cette vie. Cela ne fonctionne pas ainsi. Chacun sait que l'école taoïste parle de retourner à l'origine, de retrouver l'authenticité. Ainsi, durant le Xiulian, cela sera continuellement réparé et compensé. Dès que ton Xin-Xin se sera élevé, elle sera compensée. Peu à peu, on verra toujours plus clair. Cette énergie raffinée du Qi sera compensée graduellement. Au moment où tu atteindras la plénitude parfaite, l'énergie essentielle aura été complètement restaurée. Voilà ce qui arrivera. Quand l'œil céleste s'ouvre par lui-même, certains sentent qu'il est gonflé et ont des nausées. Il arrive de tels phénomènes. En fait, comme maintenant nous ouvrons l'œil céleste, ces phénomènes pourront apparaître aussi, mais ils ne seront pas aussi forts. Certains, lors de l'ouverture de l'œil céleste, voit avec les yeux fermés un tunnel profond comme un puits. Celui-ci est tout à fait sombre et à l'intérieur, il est long, infiniment profond. D'autres personnes, les yeux fermés, voient un point noir arrondi. Grâce à la pratique du gong, parce que la personne pratique le gong, ce point noir deviendra lentement blanc, se transformera en une tache blanche ronde. C'est pourquoi certains disent « Quand j'ai les yeux fermés, je vois la lune ». Ils disent qu'ils peuvent voir la lune. Graduellement, cette tache blanche deviendra de plus en plus brillante. Certains disent « Je peux voir le soleil quand je ferme les yeux ». Ils peuvent sentir qu'il est très éblouissant. En fait, tu n'as vu ni le soleil ni la lune. Ce que tu as vu, c'est ton passage.
comme ce tunnel dont j'ai parlé. C'est donc ton passage. Si tu as les yeux éblouis, remplis de lumière, c'est que tu n'as pas encore cet œil extérieur. Donc, tu ne peux pas voir les objets. Pour ceux qui voient ce tunnel, il n'est pas encore tout à fait dégagé. L'extrémité de ce tunnel n'est pas encore atteinte. On ne peut pas encore voir. Lors de l'ouverture de l'œil céleste, quelques personnes font l'expérience d'une sorte d'épanouissement dans la région du front, comme une fleur, comme si une fleur s'épanouissait soudainement dans le mouvement accéléré d'un spot à la télévision. Elle s'épanouit, s'ouvrant couche après couche, sans cesse. Tous les jours, elle s'ouvre. Cet état apparaîtra si on pratique le gong par soi-même. Je viens de te parler de l'œil céleste. C'est tout à ce sujet, car nous ne pouvons pas passer trop de temps là-dessus. Ainsi, voilà de quoi il s'agit à propos de cet œil céleste dont on parle depuis toujours et dont je t'ai aussi expliqué la structure. Certains sentent de très fortes démangeaisons au front. La plupart des personnes présentes sentent que la chair dans la région de leur œil céleste se ramasse, se contracte et s'enfonce vers l'intérieur. À peu près 80%, peut-être 90% des gens ont cette sensation. Ce que je dis est-il juste? Est-ce ainsi? C'est la même chose pour les gens qui sont derrière moi aussi. Aucun endroit n'a été oublié. Nos élèves à l'extérieur de la salle de conférence n'ont pas été oubliés non plus. Chacun sentira la chair se ramasser et s'enfoncer. Pour chacun, on te l'ouvrira. En fait, grâce à l'intermédiaire de forces extérieures, j'utilise le gong pour te l'ouvrir. Chacun aura le sien ouvert, mais chez certains, après l'avoir ouvert, nous installerons une porte. Certains d'entre vous verront et tout de suite après ne pourront plus voir. C'est parce que nous avons installé une porte pour toi. Comme tu as à l'intérieur de graves lésions, nous devons peut-être le réparer pendant un temps. Ensuite, nous pourrons te permettre de voir à nouveau. L'œil céleste de certaines personnes doit être verrouillé pendant un temps. Certains, après l'ouverture de l'œil céleste, ne peuvent donc voir clairement parce qu'elles ont perdu trop de leurs choses. Cependant, un grand nombre de... Beaucoup de gens pourront voir l'existence d'objets que des gens ordinaires ne peuvent voir de leurs yeux, ou ils verront de la lumière, ou des lumières de couleurs variées. Les yeux humains ne peuvent les voir. Ainsi, si tu as vu, tu l'as vu avec l'œil céleste. Certains gens disent, le maître est assis ici, que ce soit son halo ou la lumière qu'il émane, je l'ai vu. Mais quand je veux regarder plus précisément, cela disparaît. Pour beaucoup de gens, c'est ainsi. Pourquoi? Parce que tu es déjà habitué à utiliser les yeux humains pour regarder. Lorsque tu veux regarder avec précision, tu commences déjà à utiliser les yeux. Quand tu as observé quelque chose sans intention, tu l'as vu grâce à l'œil céleste. Quand tu regardes, tu ne dois pas nécessairement regarder avec les yeux fermés. Pour certains, que les yeux soient ouverts ou fermés, c'est en fait la même chose. Simplement, ils ne savent pas comment l'utiliser. Ensuite, parlons de deux pouvoirs supranormaux directement liés à l'œil céleste. L'un d'eux est appelé la clairvoyance. Il est directement lié à notre œil céleste. Qu'est-ce que la clairvoyance? Cela ne signifie pas que l'on voit quelque chose devant soi avec les yeux fermés ou à travers un autre objet. On voit les objets ou des gens qui ne sont pas présents à cet endroit, mais sont peut-être dans un endroit lointain. Tu es ici, lui en Amérique, ou lui à Pékin, et tu peux dire que tu vois ce qu'il fait. Ce pouvoir supranormal est l'un des six pouvoirs supranormaux reconnus dans le monde, la clairvoyance. On pense qu'elle doit exister. Mais qu'est-ce que c'est cette clairvoyance? Je vais te l'expliquer. Actuellement, dans le milieu des pratiquants, il y a une compréhension erronée. Lorsqu'une personne émet du chi ou lorsqu'une personne peut voir quelque chose,
On croit qu'elle a une capacité telle qu'elle peut pénétrer instantanément à une grande distance, qu'elle peut émettre de telles grandes choses qui permettent de voir. En fait, si tu es une personne ordinaire ou une personne qui pratique le qi, tu n'as rien. Tu n'as aucun moyen de voir ces choses. Même si tu as de nombreux accomplissements dans le Xiaolian du Fa de ce monde et que tu as développé de nombreux pouvoirs supranormaux, tu n'as pas encore cette capacité. Comment as-tu vu alors? En fait, comme j'ai parlé hier, dans chacun des différents espaces, le corps humain a un corps et un champ qui coexistent simultanément avec lui. Dans une dimension spéciale, le corps humain a, puisqu'il existe un champ pour chacun de ces corps, dans l'un de ces champs autour de ton corps, il existe le phénomène suivant. Quel que soit ce qui existe dans l'univers, tous les objets peuvent se refléter dans ce champ. Exactement comme dans un miroir. Toutes choses peuvent se refléter dans ce champ qui est vôtre. Il y a un soleil à l'extérieur, ainsi il y a une réflexion correspondante dans ton corps. Mais elle existe comme une ombre. Bien qu'elle soit un reflet, elle existe aussi matériellement. C'est aussi de la matière. Je te dis que l'ombre portée à côté de toi par la lumière est aussi de la matière. Si la science continue de se développer, on découvrira cela dans le futur. Cela veut dire que dans une dimension spéciale, ton corps a ce champ, que dans ce champ, il y a un effet spécial, tel que toute chose venant de l'univers peut s'y refléter. La clairvoyance dont nous parlons veut dire simplement que tu vois ces images venant de l'univers se refléter dans la sphère de ton champ spatial. C'est une capacité de l'univers. Ce n'est pas ta propre capacité. Cela est réfléchi pour toi par l'univers. Voilà ce qui en est. Cette sorte de pouvoir supranormal existe de cette manière dans cet espace spécial. Dans la région de ton front, ce corps a un miroir. Le miroir d'un non-pratiquant lui fait face. Le miroir d'un pratiquant se met à tourner instantanément. Quand ton pouvoir de clairvoyance apparaît, ce miroir se met à tourner. Il tourne constamment dans la région de ton front. La fréquence de ces tours est très haute. Quand un projecteur montre un film à plus de 24 images par seconde, les mouvements apparaissent continus. La fréquence de rotation du miroir est encore plus haute que 24 révolutions par seconde. Elle est très rapide, de sorte qu'il reflète les objets que tu vois. Dès que l'image sera reflétée dans le miroir, elle s'imprime pour te permettre de voir, et aussitôt il se retourne. Ça s'efface, et il se retourne de nouveau. Une nouvelle image s'imprime, et tu peux la voir. Cela se répète ainsi pour que tu puisses voir. Ce que tu vois est continu et systématique. Ainsi, les choses capturées par ce miroir ne sont rien d'autre que les images reflétées de l'univers dans la sphère de ton champ spatial. Il s'agit de la clairvoyance que nous avons mentionnée. Des personnes pourraient se demander, à propos de ces choses reflétées venant de l'univers, qu'en est-il de ce qui est devant nous ou derrière nous? Ce miroir est si petit qu'il n'est pas nécessairement capable de tout capturer. Bien sûr, cet univers, on dit que les pratiquants ont vu l'univers comme immensément mystérieux et merveilleux. Merveilleux au-delà des mots. Donc, ce n'est pas aussi simple que je te l'explique. Je t'en parle juste sommairement. Si ton œil céleste pouvait pénétrer à un niveau à peine supérieur et regarder, tu verrais que ton corps dans cette dimension-là n'existe plus. Il existe seulement un miroir. Ce miroir est placé dans ton champ spatial, il tourne à l'intérieur. Et alors, il n'y a aucun endroit qu'il ne puisse pas refléter. Donc, tu peux voir tout ce que tu as envie. Bien sûr, il y a la question des pouvoirs supranormaux qui doivent être renforcés et substantifiés par l'énergie. C'est la question de ton niveau. Si tes pouvoirs supranormaux ne sont pas puissants à ce point, si ton niveau ne s'est pas élevé à cette hauteur, tu n'auras pas beaucoup d'énergie et tes pouvoirs supranormaux ne pourront être renforcés à ce point. Ainsi, tu ne pourras pas voir clairement et tu ne pourras pas voir autant. Voilà le principe. C'est pourquoi les pouvoirs supranormaux de certains sont parfois plus forts, pour d'autres, ils sont plus faibles. Certaines personnes savent comment les utiliser, d'autres pas. Voilà la structure du pouvoir supranormal de clairvoyance. Je te l'ai fait connaître. Plus tard, nous parlerons de plusieurs pouvoirs supranormaux. Nous implantons le Falun chez presque tout le monde. Pour toute personne qui est venue ici pour cultiver et pratiquer le Falun Gong, pour cultiver et pratiquer Dafa, il sera installé. Il en va de même concernant le Tianmu. Il sera ouvert pour chacun.
Mais pour les autres pouvoirs supranormaux dont je parlerai après, cela ne marche pas parce qu'il concerne la question de ton Xiulian, de ta pratique, la question de ton niveau. Si ton niveau est assez haut, ils peuvent se développer lorsque j'en parle. Si ton niveau n'est pas suffisamment haut, ils attendront ton Xiulian et ta pratique ultérieure. Mais je dois expliquer à tous ces principes pour que dans ton Xiulian futur, tu saches de quoi il s'agit. Ensuite, parlons d'un autre pouvoir supranormal directement lié à l'œil céleste. Il est appelé le pouvoir de connaître le destin. Ce pouvoir de connaître le destin est l'un des 6 pouvoirs supranormaux reconnus dans le monde. Dans le passé, ne parlait-on pas de fatalisme ? Le pouvoir de connaître le destin te permet de connaître le futur d'une personne et son passé. S'il est un peu plus fort, tu pourras voir la forme du changement d'une société. S'il est encore un peu plus fort, tu pourras voir la forme de changement à l'intérieur d'univers déterminé. C'est le pouvoir supranormal de connaître le destin dont nous parlons. Mais quelle est la structure de ce pouvoir ? Tu sais, tout ce que nous cultivons, que ce soit les pouvoirs supranormaux ou de nombreuses choses appartenant aux arts magiques, tout cela est directement lié à ton Dantian et au Falun dans la région de ton Dantian. Cela leur est directement rattaché. C'est pourquoi un rayon de lumière s'élève du Dantian jusqu'à la glande pinéale, sort ensuite de la glande pinéale, exactement comme le rayon d'un projecteur au cinéma. Il forme un écran à l'endroit de ton front, tout à fait semblable à l'écran cathodique d'une télévision. Au début, certaines personnes ne peuvent voir clairement et remarque que cela tremble, exactement comme un poste de télévision qui n'est pas réglé. Il y a des lignes et il y a des flocons de neige ici et là sur l'écran. Après l'avoir réglé précisément, apparaîtront des images. Il est tout à fait semblable à une télévision, à l'écran cathodique d'une télévision. Quand il marche bien, la personne pourra voir. On pourra le regarder avec les yeux fermés ou avec les yeux ouverts. Si ce pouvoir est très fort, tu pourras le voir avec les yeux ouverts. C'est la même chose. S'il est faible, tu pourras seulement voir clairement avec les yeux fermés. C'est pourquoi des images apparaîtront, il apparaîtra des images. Nous venons de parler de la question des autres espaces-temps. Dans d'autres espaces-temps, il y a d'autres formes d'existence de ton corps. Comme nous venons de parler du pouvoir supranormal de connaître le destin, j'ai signalé qu'il était tout à fait possible de connaître le futur et le passé d'une personne. Des gens diront, ne parle-t-on pas là de superstition ? Le futur ne s'est pas encore passé, comment peux-tu le voir ? En fait, je te dis, quand une personne naît, toute sa vie existe déjà simultanément. Alors ici, il y a un problème. D'autres personnes pensent, ainsi donc, toutes nos luttes et nos efforts dans notre vie ne servent à rien. Notre province du Guangdong est maintenant très riche et chacun fait des affaires. Cela est survenu grâce à nos efforts, n'est-ce pas ? C'est dû au changement des conjonctions célestes. Tu en es un élément, il y a une conséquence inévitable. Peut-être tu ne crois pas ce que je dis. Bien sûr, il y a quelques petites fluctuations. À travers les efforts personnels, des aspects mineurs peuvent être changés. Pourquoi ? Parce que s'il n'était pas possible de changer de petites choses grâce à ses efforts personnels, la question pour l'homme de faire du bien ou du mal et de créer du karma n'existerait pas. C'est pourquoi, par des moyens détournés, on peut nuire aux autres et changer soi-même au cours de sa vie des choses mineures, mais pour les grandes, il lui est très difficile de les changer. On est totalement incapable de le faire. Une personne ordinaire est incapable de changer le cours de sa vie. Tu ne peux pas le changer du tout. Elle ne peut être changée que dans 2 cas. Dans un cas, la personne n'arrête pas de faire du mal, faisant du tort aux autres et se nuisant à elle-même. Elle semble hors de contrôle. Mais ce qui l'attend est la destruction complète et la fin de sa vie. L'autre route, je suppose que personne ne voudra prendre cette première route. Une autre route est de prendre le chemin du Xiulian. Car comme je l'ai dit, dans cet univers, on voit cela comme le plus précieux. Cela veut dire que cette personne a l'intention de se cultiver dans son cœur, qu'elle veut retourner à l'origine et retrouver l'authenticité. Elle veut se tourner vers le bien. Des gens ne cessent de dire « La nature de Bouddha, la nature de Bouddha ». Voilà à quoi on se réfère. Dès qu'elle surgit, elle brille comme de l'or, elle ébranle le monde des 10 directions. Chacun voit que cette personne veut cultiver et pratiquer. Sa nature de Bouddha a surgi, alors on l'aidera inconditionnellement. Ce que j'ai dit hier à propos de la guérison des maladies est du même ordre. Si tout ce que tu veux obtenir ici est la guérison de tes maladies, si tu es encore une personne ordinaire qui veut se guérir de ses maladies, mais tes maladies... Pour une personne ordinaire, comment toutes ces misères peuvent-elles être éradiquées arbitrairement pour toi ? Ne les as-tu pas créées toi-même dans le passé ? C'est le principe. Mais si tu veux cultiver et pratiquer, je peux changer cela pour toi ici. C'est la seule façon.
Si toi-même, tu ne veux pas te changer, si ton cœur humain ne penche pas du côté du bien, si tu désires simplement secouer la poussière de tes fesses, t'en débarrasser et ne plus rien en savoir, cela ne marchera pas. C'est pourquoi quand une personne, durant le cours de son Shulian, je viens d'en parler. Dans les autres espaces, notre corps n'a-t-il pas la forme d'existence de ces autres espaces? Les objets dans les autres dimensions, leur forme d'existence comparée aux nôtres, les formes d'existence des objets sont aussi différentes de celles de tous nos espaces. Alors, quand une personne naît, sa vie existe simultanément dans d'autres dimensions, et bien que par un travail dur et des efforts, elle puisse changer quelques aspects mineurs, pourtant, elle ne peut en modifier les aspects principaux. Mais je te le dis, ce n'est pas non plus de la superstition. Pourquoi ? Parce que réfléchissez, notre galaxie entière est comme un disque en rotation. Le concept du temps entre le centre de la galaxie et sa circonférence est très différent. Alors cet univers, il est immense. Son centre, ses différents endroits, ses différents niveaux, n'y a-t-il pas des différences de temps énormes entre eux ? Simplement pour te donner un exemple, se tenir au centre est différent de se tenir à la circonférence. Au centre, tu remarqueras que le temps s'écoule très rapidement et sur la circonférence, très lentement. Par exemple, disons que depuis la naissance, ton corps existe dans différentes dimensions. Dans un certain espace, à ta naissance, ta vie est déjà terminée parce que le temps de cette dimension est très rapide. Et dans une autre dimension, ton corps n'est pas encore né. Cela veut dire que c'est dû à la différence de temps entre les espaces. Ainsi, si tu pouvais surmonter cette différence de temps, tu serais capable de voir ce à quoi ta vie déjà terminée ressemble. Tu pourrais voir quelle a été ton existence dans les différents espaces, dans les différents temps, et ce que tu as fait, l'ensemble des circonstances. Donc on peut voir l'existence de toute ta vie. Dans un espace-temps déterminé, on peut voir ce que tu as fait et dans l'espace-temps suivant, on peut voir ce que tu fais. Donc grâce au décalage de temps entre les différentes dimensions, on pourra observer cela. Tu as probablement compris ce que je suis en train d'expliquer. Cela est dû à la différence de l'espace-temps. C'est pourquoi il n'y a là aucune superstition. Dans un espace-temps rapide, ta vie est déjà terminée. Dans un espace-temps lent, tu n'es pas encore né. Mais dans la dimension présente, tu as déjà vécu un certain nombre d'années. C'est simplement pour en illustrer la signification. Ainsi, on peut voir ton passé et ton futur. Avec ce pouvoir supranormal de traverser les espaces-temps, on peut voir cela. Le pouvoir supranormal de connaître le destin dont nous parlons peut traverser cette différence de temps et projeter ta vie sur l'écran qui est devant ton front. Et alors, cela se déroule sous tes yeux comme un film. Avec ce pouvoir supranormal, on peut voir les choses très précisément, même les années. Les irrégularités concernant les ères ou les époques sont très petites. Quand tu fais des prédictions sur l'avenir, peu importe comment tu t'y prends ou quelle est ta maîtrise du livre des mutations, cela ne fonctionnera pas aussi précisément parce que tu le déduis seulement d'une théorie, tandis que ce pouvoir supranormal peut voir très précisément. Voilà le pouvoir supranormal de connaître le destin dont nous parlons. Aujourd'hui, les gens parlent de soucoupes volantes et d'extraterrestres. Il y a maintenant des instituts de recherche, qu'ils soient privés ou gouvernementaux, tous font des recherches dans ce domaine. En fait, je te dis, ces choses, leur science est déjà très développée, ils ont déjà franchi les limites de notre espace-temps matériel. Ils peuvent aller à travers différents espaces-temps. Le temps n'est pas le même dans les différents espaces-temps. C'est pourquoi ces extraterrestres viennent à leur gré et s'en vont d'eux-mêmes. Peut-être qu'en une seconde, ils retournent à leur place et qu'une seconde plus tard, ils reviennent. S'ils prennent un espace-temps très rapide, aussitôt partis, aussitôt ils sont arrivés. Parce que cet espace ne peut être mesuré avec notre concept actuel de distance. On ne peut pas utiliser ce concept pour délimiter cet espace.
On ne peut en fixer les limites de cette façon. Ce qui est seulement proche d'un pied peut être en fait éloigné de 108 000 lits chinois. Mais cela ne peut pas exister de cette façon. Ce n'est pas comme cela. En parlant de l'œil céleste, nous venons d'expliquer au passage ces deux pouvoirs supranormaux. Maintenant, parlons des expressions qui existent dans le milieu du Qigong. Il s'agit de deux expressions que beaucoup de pratiquants de Qigong ne peuvent expliquer clairement. Mais de telles expressions sont apparues dans le cercle du Qigong, dans le milieu des pratiquants et dans les milieux religieux autrefois. Lesquelles ? Il s'agit de sortir des trois mondes et ne pas être dans les cinq éléments. Elles semblent très mystérieuses. Autrefois, il y avait des maîtres de Qigong, vrais ou faux, allez savoir. On ne sait pas comment ils étaient devenus maîtres de Qigong. Des gens en ont interrogé un là-dessus. Il a osé répondre et en parler à tort et à travers. Ainsi, des gens qui ne croyaient pas au Qigong lui ont demandé « Quelqu'un d'entre vous est-il sorti des trois mondes ? Quelqu'un d'entre vous est-il au-delà des cinq éléments ?» Ainsi, des gens ont répliqué et lui ont cloué le bec parce qu'ils ne savaient pas quoi dire. Aussi, si tu ne sais pas, ne dis pas des choses au hasard ou autrement, cela aura l'effet opposé et causera du tort. C'est pourquoi nous allons t'expliquer cela, parce que cela concerne directement le problème de nos pratiquants cultivant vers les niveaux élevés. Tout d'abord, expliquons ne pas être dans les cinq éléments. Tu sais, selon la théorie chinoise des cinq éléments, métal, bois, eau, feu et terre forment les cinq éléments. Du point de vue de la physique moderne, ces éléments, métal, bois, eau, feu et terre, sont aussi scientifiques. La physique chinoise antique les considère comme scientifiques. Il y a un livre qui compare et relève la correspondance entre les cinq éléments et la table des éléments de la chimie moderne. Et c'est tout à fait correct. Par exemple, parlons des métaux. Qu'ils soient de l'or, du fer, du plomb, de l'étain, du cuivre, peu importe lequel tu prends, ils sont tous du métal, n'est-ce pas? Simplement pour te donner un exemple. Un jour, l'Académie chinoise des sciences a voulu faire des expériences avec moi. Ils ont pris un tube de verre contenant une bande d'aluminium très petite, très fine. Pour fermer le tube de verre, on l'avait plombé, de sorte que tu ne pouvais enlever ou remplacer son contenu. Après l'avoir amené, l'expérience habituelle est simplement de lui ajouter un peu d'énergie, et ensuite on le reprend et on mesure l'énergie. Cela a été vérifié depuis longtemps par la communauté scientifique et le milieu du Qigong. Tout le monde sait que ce qu'émet un maître de Qigong comporte toutes sortes d'éléments, tandis qu'un homme ordinaire en est incapable. C'est pourquoi je leur ai dit, voici ce que je vais faire. Je vais embrouiller l'ordre de l'arrangement moléculaire interne. Tu sais, la structure moléculaire d'un métal est la plus stable. Si elle est changée, alors le métal en surface subira une modification. Cela n'avait pas été fait auparavant. Alors je l'ai pris dans ma main et je l'ai secoué légèrement. Ensuite, on l'amena au laboratoire pour l'analyser. Après examen, on a découvert que les constituants de cette bande d'aluminium avaient changé. La surface du métal avait changé. Une partie était devenue du fer, une partie du cuivre, une partie de l'argent, une partie de l'or et d'autres encore s'étaient transformées en d'autres éléments. C'est-à-dire que cette bande était constituée d'un nombre d'éléments métalliques différents. Pourquoi cela a-t-il pu se passer ? C'est parce que je l'ai fait exploser, parce que j'en ai changé l'arrangement moléculaire interne. Voilà quel état il en est résulté. C'est-à-dire, je viens de te donner un exemple, dire que la théorie des cinq éléments, métal, bois, eau, feu et terre, sont de la physique actuelle. La physique chinoise antique est donc scientifique. Alors, selon la théorie des cinq éléments, le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre composent toute chose dans l'univers. Aucun être vivant ou aucun corps matériel ne peut être séparé de ces cinq éléments. Ceux-ci sont tous composés de ces substances. C'est ainsi tout à fait fondé et très scientifique. Mais si on en parle maintenant, cela semble encore plus mystique. Pourquoi ? Parce que, pensez-y, si une personne n'est plus dans les cinq éléments, cela signifie qu'elle est sortie du monde matériel. Superficiellement, cela semble très mystique.
En fait, il n'y a rien de mystique à ce propos. Pourquoi ? Je vais te l'expliquer. Écoute simplement. Assurément, tout est scientifique. Qu'il s'agisse de maîtres de Qigong, qu'il s'agisse d'une personne hautement accomplie dans sa cultivation et sa pratique, qu'il s'agisse d'un moine hautement accompli dans sa pratique religieuse, nous disposons tous d'énergie et de gong. Cela a déjà été connu depuis longtemps. Tout ce qui peut être détecté actuellement, les rayons infrarouges, les rayons ultraviolets, les ondes ultrasoniques, infrasoniques, les neutrons, les atomes, les rayons gamma, la trace de nombreux micro-éléments, du moment qu'il existe un instrument qui peut les mesurer, tout cela peut être trouvé à l'intérieur des composants émis par les maîtres de Qigong. Et de plus, tout cela est présent dans des quantités considérables. Plus le niveau d'un maître de Qigong est haut, plus les substances qu'il émet sont nombreuses. Pourquoi une personne ordinaire ne les a pas ? Cela prouve que les maîtres de Qigong ont du gong. Sous l'effet d'un champ électromagnétique spécial, un maître de Qigong peut émaner une lumière très forte, multicolore et magnifique. Évidemment, chez une personne ordinaire, il y en a aussi une. C'est la lumière de la vie, mais elle est très petite. Si le maître de Qigong a l'intention d'en émettre, elle deviendra même plus forte. Elle aura même une grande intensité. Cela veut dire que ceux qui cultivent ont du gong. Chez eux existe du gong, des substances de haute énergie. Ainsi, ce gong, comme je l'ai dit, est autre chose que le dan, pilule de cinabre. Hier, j'ai parlé de la formation du dan. Dan est seulement une bombe, c'est juste une préparation pour le jour où ton gong sera ouvert définitivement. Quand ce dan explose, il libère tous tes pouvoirs supranormaux et par l'explosion débloque des centaines de méridiens. Il ne sert qu'à ça. C'est pourquoi il n'est pas la totalité de l'énergie mise en réserve, il en est juste une partie. Un système authentique de cultivation à la fois de l'esprit et du corps inclut d'aller au-delà des cinq éléments. Un système qui ne cultive pas à la fois l'esprit et le corps n'enseigne pas la cultivation Xiao du corps originel. C'est la raison pour laquelle un tel système ne parle pas d'aller au-delà des cinq éléments. Il se préoccupe seulement de sortir des trois mondes, mais pas de sortir des cinq éléments. Un système de cultivation conjointe du corps et de l'esprit implique de n'être plus dans les cinq éléments parce qu'il doit transformer le corps originel. Le corps doit quitter ce monde matériel, doit quitter cet environnement matériel. Mais en fait, la personne doit encore cultiver parmi les gens ordinaires. Pour l'apparence, les gens ordinaires ne peuvent s'en apercevoir. Mais l'énergie ne se met pas en réserve dans le dan du dan tian. Où est-elle stockée ? Chaque cellule de ton corps emmagasine de l'énergie. De plus, tes molécules, les protons, les atomes, les électrons, même en descendant plus bas, en parcourant tout le chemin jusqu'à l'échelle la plus microscopique, jusqu'à l'origine de la matière, tout subit un changement. Cela veut dire que la pratique du gong change le corps humain de l'intérieur. Toutes les cellules microscopiques de ton corps subissent ce changement fondamental. C'est-à-dire que toutes accumulent de l'énergie, toutes les cellules microscopiques de ton corps accumulent de l'énergie. Et puisque cette énergie est emmagasinée dans tes cellules, elle a la même forme d'existence que les cellules de ton corps. Dans tes cellules et dans leurs noyaux, l'énergie est emmagasinée. C'est pourquoi elle a la même forme que tes cellules. Mais comme tu sais, du fait que notre puissance de gong continue de s'élever, cette matière hautement énergétique devient de plus en plus dense, et quand sa densité augmente, quel changement aura lieu ? Elle changera. Elle est au départ une matière de haute énergie, au-delà de tes cellules normales. Elle arrivera à restreindre toutes tes cellules originelles et à remplacer toutes tes cellules originelles. Il est possible que tu n'aies plus de métabolisme. Les cellules sont complètement remplies par ces substances de haute énergie et de cette façon remplacées. Les cellules originelles ont été évacuées, même le noyau de tes cellules a été remplacé par elles. Quand tu atteins cet état, réfléchis. Ton corps est-il encore composé des cinq éléments ? Tu es composé de matière énergétique extrêmement abondante, recueillie dans d'autres espaces. Tu es composé des essences raffinées et transformées par la pratique. Es-tu toujours un corps composé des cinq éléments ? Non, plus du tout. Il a déjà subi un changement fondamental. Alors réfléchis, n'es-tu pas allé au-delà des cinq éléments ? Ce genre de corps ne vieillira plus, ne mourra plus naturellement. Il restera jeune pour toujours. Bien sûr, c'est facile à dire. Si l'on veut atteindre cette étape, on doit traverser une série de cultivations ardues. Seulement de cette façon, on y parviendra. Cependant, la personne doit continuer encore à cultiver dans la société des gens ordinaires. Par l'apparence, les gens ne doivent pas voir qu'elle est différente des autres. Si les gens savent qu'elle est comme une déité, personne ne pourra la toucher si elle existe comme de la lumière et que personne n'est capable de.
Tout le monde voudra la vénérer comme un dieu. Personne ne voudra entrer en conflit avec elle. Et sans cet environnement de conflit, comment pourra-t-elle continuer à élever son xinxin? Ainsi, elle ne pourra plus cultiver. C'est pourquoi elle doit rester le plus possible comme une personne ordinaire. Ainsi, les gens ordinaires ne peuvent rien percevoir, mais les pratiquants peuvent le voir. Les personnes hautement accomplies dans le Shulian peuvent le reconnaître. Ainsi, elle s'est transformée essentiellement. Néanmoins, si tu coupes ce genre de corps avec un couteau, il va saigner. Ou s'il est heurté par une voiture, ses os peuvent se fracturer. Pourquoi ? Parce que la composition moléculaire de toutes les cellules du corps humain a été pleinement remplacée par ces matières de haute énergie. Mais l'arrangement moléculaire, la structure et la forme à l'intérieur n'ont pas subi de changement. Ainsi, le sang est encore composé de molécules extrêmement petites. Donc, le sang est dans un état liquide, les os sont durs et la chair souple. L'arrangement moléculaire à l'intérieur est ainsi. Cela veut dire que la façon dont les molécules sont arrangées n'a pas changé. C'est pourquoi, extérieurement, il est le même que celui d'une personne ordinaire. Et tu ne peux pas voir la différence, mais au fond, il a déjà subi un changement fondamental. Ce qui manque encore est seulement la peau. Dès que cette écorce est enlevée, cette personne sera fondamentalement différente. Quand cette étape est atteinte, ce sera le Shulian du Fa au-delà de ce monde, du Shulian du Fa de la rate, aussi appelé cultivation d'un corps de Bouddha. Alors un tel corps est-il toujours le corps charnel de quelqu'un d'ordinaire? Ainsi, il est allé au-delà des cinq éléments, n'est-ce pas? Nous venons d'expliquer que les maîtres de Qigong ont en eux-mêmes du gong, de la matière énergétique. Celle-ci existe dans chaque cellule. Bien sûr, à la longue, elle va remplacer ces cellules. Comme elle est remplie de plus en plus, elle pourra avoir de tels effets, n'est-ce pas? Dès qu'on l'a expliqué, n'est-ce pas tout à fait scientifique, ou y a-t-il la moindre trace de superstition? Il y a certaines choses que maintenant nous ne pouvons pas encore connaître, mais il y en a d'autres qui n'échappent pas complètement à toute connaissance. Plusieurs ont déjà été découverts par certaines sciences de pointe, mais ne sont pas encore répandues. Mais déjà, ce que les gens des milieux scientifiques ont compris est suffisant pour refondre les manuels actuels. Mais comme la société actuelle a été profondément influencée par les théories de l'éducation traditionnelle, il est très difficile aux gens de l'accepter. Même face à la réalité objective, les gens n'osent pas l'admettre. Je viens d'expliquer ne pas être dans les cinq éléments. Parlons maintenant de sortir des trois mondes. Qu'est-ce que cela signifie, sortir des trois mondes? Sortir des trois mondes semble encore plus mystique. Tout d'abord, notons que dans cette conférence, nous ne pouvons pas échapper à l'origine historique de ce terme. Ce n'est pas un terme créé par notre monde moderne de cultivation ou par le Qigong. Il a été transmis du monde ancien du Shulian et des religions. Ainsi, à quoi font référence ces trois mondes enseignés dans la communauté religieuse? Tu sais, la religion du taoïsme enseigne qu'il y a 9 niveaux principaux dans le ciel, et l'école de Bouddha, qu'il y en a 33 niveaux. Peu importe le nombre de niveaux célestes que tu détermines, en fait, les 9 grands niveaux du ciel et les 33 niveaux du ciel dont on parle sont en fait la même chose. Car chaque niveau du ciel possède encore 10 couches de petits ciels. En fait, c'est encore même plus complexe. Tout cela a été rendu confus. Cette structure a une certaine limite. Cela veut dire que l'on croit que les trois mondes, quel que soit le nombre des niveaux célestes, ont tout de même une limite. Hors de cette limite, tu es au-delà des trois mondes. À l'intérieur de cette limite, tu es à l'intérieur de ces trois mondes. Pourquoi appelle-t-on ce qu'il y a à l'intérieur de cet espace les trois mondes? Les deux, le monde céleste, le monde sur terre et le monde souterrain, composent la doctrine des trois mondes. À l'intérieur des trois mondes, tous les êtres vivants devront entrer dans le cycle de la réincarnation. Simplement, dans les niveaux supérieurs, le temps de la réincarnation est plus long, peut-être 500 ans. Bien sûr, c'est ce que la religion enseigne. Et dans le monde humain, cela ne peut arriver que tous les 100 ans, et un niveau inférieur, c'est probablement moins. C'est juste pour en illustrer le sens. C'est ce que la religion enseigne à propos des trois mondes. Ce que nous disons aujourd'hui ne peut pas être expliqué hors de ce contexte historique. Ainsi, puisqu'il existe cette division des trois mondes, il y a une question de niveau de cultivation. En fait, sortir des trois mondes est juste une question de niveau de cultivation. Tu sais, hier, j'ai parlé du fait qu'on peut avoir une colonne de gong sur le sommet de la tête. Cette colonne de gong se trouve au-dessus de la tête. Par l'élévation continue de ta puissance, de l'énergie et de ton niveau de cultivation, cette colonne de gong deviendra de plus en plus haute, toujours plus haute. Il y a quelques années, de nombreux maîtres de Qigong sont apparus en public. Au début, ils ont été guidés par leurs maîtres dans le Shulian solitaire ou le Shulian secret.
même sans que personne n'en sache rien. Ils n'avaient pas de contact avec l'environnement des gens ordinaires. Dans ces conditions, ils ont cultivé très bien, leur niveau était aussi très haut. Ainsi, j'ai vu quelques-uns de ces maîtres de Qigong qui sont apparus dans ces années-là. Leur colonne de gong était déjà allée bien au-delà du domaine de notre galaxie. Elle était très haute. La colonne de gong de certaines personnes était même plus haute et était allée plus loin que la région de la Voie lactée, ce qui montre que leur gong était très haut et leur niveau aussi. Mais une fois qu'une personne entre en contact avec la société humaine ordinaire, c'est très difficile pour elle de ne pas être affectée par les tentations de célébrité et les intérêts personnels des gens ordinaires. Ainsi, un groupe nombreux de maîtres de Qigong a déjà chuté et n'a plus rien. Ils n'ont plus de gong, ils ont complètement sombré dans la célébrité et les intérêts personnels. Ils ont été complètement ruinés par la célébrité et les intérêts personnels. Ils cherchent de l'argent, ils cherchent à satisfaire leurs intérêts personnels, ils nuisent aux autres, ils se défient les uns les autres par leur pouvoir. Ils sèment maintenant la pagaille et causent un tort sérieux à l'environnement du Qigong. C'est pourquoi ils n'ont plus de gong, parce que le gong est aussi haut que le xinxin. Ceci est absolu, parce que le gong provient de la cultivation de ton cœur. Quand ton xinxin chute, alors ton gong aussi chute et ton niveau aussi descend, et toutes les autres transformations de ton corps s'inversent et dégénèrent. Cela est absolu. Je viens de dire que si ton niveau s'accroît, alors ta colonne de gong aussi s'accroît. Les trois mondes dont on parle, nous les examinons du point de vue et dans le cadre de la physique moderne. Nous avons découvert que les trois mondes dont parlaient les religions dans le passé sont plutôt à l'intérieur des limites de nos neuf planètes principales. Certaines personnes disent qu'il y a 10 planètes principales. Je dis que cela n'existe absolument pas. Ne disons rien de méchant sur les autres, disons simplement que ça n'existe pas. Il n'y a pas 10 planètes principales, il y en a simplement 9. C'est pourquoi ce dont on parle est simplement quelque chose dans les limites des 9 planètes principales. Alors nous avons dit, au-delà de cette limite, si la colonne de gong que tu as développée par le Shulian va au-delà de cette limite, n'es-tu pas sorti des limites de ces trois mondes? Selon la religion, une fois atteinte la réalisation, n'est-ce pas là ta place dans le futur? N'iras-tu pas là dans le futur? N'es-tu pas arrivé là en te cultivant? N'es-tu pas sorti des trois mondes? Ainsi, tu ne seras désormais plus sujet à la souffrance de la réincarnation à l'intérieur des trois mondes. Voilà ce que dit la religion. N'est-ce pas véritablement une question de réalisation et de niveau de ton Xiulian? C'est cela. Il s'agit simplement de la question de la hauteur de ton niveau. Parmi nos disciples de Falun Gong, il y en a qui se sont cultivés très bien et dont le niveau est très haut. Nous venons juste d'expliquer sortir des trois mondes et ne pas être dans les cinq éléments. C'est tout ce que nous dirons sur ces questions. Parlons ensuite de l'aspiration à rechercher. Je me suis occupé de certaines choses dans le nord-est, dans ma ville natale. Je suis resté là-bas 3 mois. J'étais intéressé de voir aussi comment le Falun Gong se développerait quand je n'étais pas là. Et à travers le pays, certaines gens ont très bien agi et d'autres extrêmement mal. Même certaines personnes qui étaient responsables ont très mal agi. Évidemment, certains d'entre eux n'avaient pas écouté les conférences. Dans certaines régions, certaines personnes ont organisé spontanément ces... Ils avaient écouté les conférences une fois, ne les avaient pas comprises. Pourtant, ils ont organisé un centre d'assistance. Ils ont fait cela. Nous disons qu'il y a certaines personnes dont le but de l'étude de gong est vraiment impur. Pour la vraie cultivation, tu dois purifier ton cœur. Dans le passé, on disait... Qu'est-ce qu'on disait? Pour cultiver ton corps, tu dois avoir un cœur sincère. Tu dois rectifier ton esprit. Si tu viens pour obtenir le fa avec l'idée de poursuivre un but, tu n'obtiendras rien du tout. La poursuite de tes aspirations est en elle-même un attachement. Je peux te dire une vérité. Le but de la cultivation est précisément d'éliminer toutes tes sortes d'attachements, d'abandonner tous ces esprits d'attachement auxquels tu tiens parmi les gens ordinaires. Tu recherches... Les gens
Pourquoi les gens peuvent-ils constituer la société humaine? Pourquoi peuvent-ils former cet espace particulier? Parce que chez l'homme existe l'émotion. C'est aussi la manifestation du Dafa, Jian Shan Zhen, à son plus bas niveau. Il existe l'émotion. Ce que tu aimes, ce dont tu te réjouis, tes parents et tes amis, l'amour, l'affection entre un père et son fils, ou entre frères et sœurs, ce que tu aimes manger, ce que tu n'aimes pas manger, ce que tu préfères faire, ton désir d'être célèbre ou de ne pas être célèbre, tes manières ostentatoires par goût de la célébrité et pour des avantages personnels. Toutes tes manières de penser et de sentir proviennent de cette émotion. Tes joies, ta colère, ta tristesse et tes plaisirs, tout se ramène à l'émotion. L'homme vit toute sa vie simplement pour cette émotion. Je te dis qu'en véritable pratiquant, quand tu atteins un niveau très élevé, tu dois renoncer aux émotions et aux sentiments. Cette émotion peut révéler de nombreux attachements. À cause de l'émotion, les gens recherchent la célébrité, recherchent leurs intérêts personnels. Même lorsqu'ils sont très vieux, certains cherchent encore renom, avantages personnels, argent et statut social. Il y a aussi ceux qui recherchent d'autres choses. Il y a ceux qui vivent pour leur fierté. Cela aussi est émotion. Je dis simplement que tout cela montre à quoi les êtres humains sont attachés. Alors il est très facile d'amener ces concepts ordinaires humains dans le Shulian. Quand tu commences à cultiver et à pratiquer, tu es tout à fait incapable de les détecter. Ils sont déjà formés comme des idées fixes dans ta conscience. Tu es tout à fait incapable d'en détecter l'existence. Quand tu commets des choses mauvaises, tu penses encore que c'est la juste manière de faire. Tu ne penses pas beaucoup au fait que c'est déjà un concept incorporé dans tes attitudes essentielles. Maintenant, c'est comme si tu étais ce genre de personne. Ainsi, certains attachements sont devenus déjà imperceptibles. Notre cultivation consiste à se débarrasser des attachements humains variés, à éliminer tes attachements en tout genre. Seulement alors, tu pourras vraiment réussir dans le Shulian. Parce que, comme je viens de le dire, toute chose qui existe pour les hommes est inversée. Ce que tu penses être bon, on pense en haut que c'est mauvais. Ce que tu penses être bien, lorsque c'est vu selon une autre loi, est tout à fait mauvais. Cela fonctionne ainsi. C'est pourquoi seulement de cette manière, tu pourras abandonner ces attachements. Voici un exemple. Supposons que tu ne sois pas débarrassé de tes attachements, ce serait le comble. Ton xin-xin ne s'est pas élevé et pourtant on t'amène là-haut et on te permet de réussir dans le Shulian. Tu arrives là et en jetant un regard, tu admires la beauté d'une grande bodhisattva. Peut-être tu ne peux pas te maîtriser et tu as quelques pensées mauvaises. Ou bien tu vois de nombreux trésors, ou bien tu vois les grandes capacités de quelques autres. Pourquoi n'ai-je pas cela? Tu ne peux peut-être pas empêcher ta jalousie de grandir et tu commences à entrer en conflit avec eux. Peut-on permettre un tel phénomène à ce niveau-là? Cela veut dire que si tu veux t'élever jusqu'à cet état-là, tu dois purifier ton cœur et faire attention à cultiver et pratiquer ton xin-xin avant de pouvoir t'élever. Autant d'attachements tu auras laissé tomber, autant ton cœur sera purifié. Autant ta personne aura été purifiée, autant tu pourras te sublimer. Hier, j'ai dit que le gong se développait à travers la cultivation, non par la pratique. La pratique sert à changer le corps originel. Notre système enseigne la cultivation conjointe de l'esprit et du corps avec des changements du corps originel. C'est pourquoi nous parlons du gong, énergie de pratique. Dans l'école de Shakyamuni, on n'en parlait pas. Durant les années pendant lesquelles il a enseigné, il n'a pas parlé du changement du corps originel. Il a enseigné seulement le nirvana. Il ne voulait même pas le corps. C'est pourquoi il a seulement enseigné la cultivation et non la pratique. Quelques personnes assistent au séminaire en recherchant des pouvoirs supranormaux. La plupart sont venus pour guérir des maladies. Même si une telle personne ne parle pas de sa maladie, dans son esprit, elle ne peut pas s'en débarrasser parce que sa maladie est très grave. Certains s'agrippent même à moi pour que je guérisse leur maladie. Des gens m'écrivent des lettres et font mention de leur maladie encore et encore. Derrière chaque mot et entre les lignes, partout, il n'y a que leur maladie. Si tu ne peux pas laisser tomber ces choses, nous ne pouvons rien faire. Nous croyons que les gens n'ont pas de maladie. Cela est simplement causé par l'existence du karma. Dans la physique moderne, on peut observer avec un microscope les microbes, les virus ou les bactéries. Les virus sont plus petits que les bactéries. Tous les deux sont des formes différentes d'existence du karma. Quand ils se manifestent dans notre espace, leur forme d'existence matérielle sont des bactéries, mais dans d'autres dimensions, elle est le karma. Dans cet espace, tu utilises de la médecine pour les tuer, mais je le dis à chacun, dans cet autre espace, ils ne sont pas morts. Leurs racines existent encore, ils réémergeront et il y aura une rechute de la maladie. Si tu n'es pas malade maintenant, tu le seras plus tard. De plus, ce karma peut encore être transformé.
Ainsi, si tu ne rencontres pas cette tribulation, tu en rencontreras une autre. Je mentionnais cela auparavant. N'ai-je pas dit que ces choses-là n'existent pas par hasard? Nombre d'entre nous ont commis de mauvaises choses auparavant. Ça s'est accumulé et transmis, ça a continué. Cela ne provient pas seulement de cette vie-là, ni d'une seule période de l'histoire. Beaucoup de nos pratiquants pensent, pourquoi est-ce que je me sens inconfortable quand je pratique le gong? Quelqu'un a écrit pour me demander, Maître, pourquoi est-ce que je ne me sens pas bien quand je commence la pratique? Pourquoi je ne peux plus pratiquer? Tu es assis ainsi sur un sofa en train de boire du thé et regarder la télévision, et ton gong serait en train de monter en flèche? Où peut-il y avoir une telle chose? Les dettes que tu as contractées, ne dois-tu pas les payer? Je vais te donner un exemple. Supposons qu'une personne veut émigrer. Les conditions de vie sont meilleures dans les autres pays. Elle veut jouir d'une bonne vie. Mais tu as emprunté beaucoup d'argent en Chine et tu n'as pas remboursé tes débiteurs. Ils ne vont pas te laisser partir, n'est-ce pas? Tu n'as pas remboursé mon argent et pourtant tu pars. Comment est-ce possible? Ne dois-tu pas rembourser ces dettes avant de pouvoir t'en aller? Je te donne simplement un exemple d'une personne ordinaire pour illustrer ce point. Ainsi, dans la pratique du gong, on doit supporter des épreuves. Si tu viens obtenir le fa en ayant dans ton cœur de nombreuses aspirations différentes, tu n'obtiendras rien. Que tu cherches la guérison ou à acquérir les pouvoirs supranormaux, ou simplement à entendre des théories, pour ensuite t'en retourner chez toi et saboter notre fa, pour le changer quelque peu et monter quelque chose de ton cru dans le but de faire de l'argent. Je te dis, ne fais jamais ça, saboter le fa, c'est quelque chose qu'un homme peut payer de sa vie. Il y a de nombreux exemples de cela. Si je te les raconte, tu pourras en être effrayé. Nous n'en parlons pas. Cela veut dire que la recherche de la réalisation d'une quelconque aspiration peut t'empêcher d'obtenir le résultat. Le Xiaolian, dans son essence, a pour objet d'éliminer tes attachements. Si tu continues à nourrir des attachements, tu n'obtiendras rien. Cultiver seulement avec tout ton cœur. Car cultiver, c'est cultiver son cœur. Dans le passé, les moines disaient, le Bouddha est dans le cœur. Le Bouddha est dans ton cœur, tu dois diriger ta cultivation vers l'intérieur. Quelques moines sont tombés alors dans la confusion et ont dit, de vieux moines ont dit, le Bouddha est dans ton cœur, cultivez intérieurement. Alors ceux-là ont compris de travers en interprétant. Il n'y a pas de Bouddha à l'extérieur, les Bouddhas sont dans ton cœur, ainsi tu es toi-même un Bouddha. C'est de cette façon qu'ils ont compris. Toi, un Bouddha, ce qu'on voulait dire est que tu dois cultiver ton cœur. Seulement alors, tu obtiendras le fruit juste. Le principe est très simple. Parlons un peu plus. Certains de nos disciples de Falun Gong savent que le Xiaolian doit être exclusif. Le véritable Xiaolian vers les niveaux élevés exige de se dédier à une seule voie. Il n'est pas faux à un niveau inférieur d'emprunter à chaque école ses points forts. Si ton but est la guérison et le bien-être, qu'y a-t-il de faux à utiliser n'importe quelle méthode pour faire disparaître ta maladie? C'est pourquoi à ce niveau, sur le niveau où on pratique le Qigong, cela n'est pas faux. Prendre les points forts de chaque école n'est pas faux. Mais dans le Xiaolian véritable, lorsque tu t'es élevé et que tu cultives et pratiques à des niveaux supérieurs, il est important de se dédier à une seule voie, de ne pas cultiver une autre voie. Dans les temples, les moines enseignent aussi, pas de porte du fa. Tu as appris ce système et tu veux apprendre celui-là aussi. Je dis que tout sera embrouillé et tu n'obtiendras rien. Dans les temples, ils n'enseignent pas. Actuellement, les choses dans les temples ont sombré dans le chaos. Les gens de l'école Chan sont en train d'étudier les écritures du Bouddha Amitabha. Les pratiquants de la terre pure lisent les écritures du tantrisme. Tu sais, dans le passé, le Xiaolian était une affaire très sérieuse. Tu ne pouvais cultiver que dans une seule voie, et cette voie était sous l'autorité d'un être éveillé, un Tathagata. Bien qu'il ne te parlait pas de sa méthode de cultivation et des formes d'évolution de son gong, mais seulement de la manière de cultiver ton xin-xin, et qu'il exigeait que tu agisses en accord avec les écritures pour cultiver ton cœur, pourtant l'évolution de son gong était aussi extrêmement complexe. Et ce gong était quelque chose qu'il faisait pour toi. Si tu mets les pieds sur deux bateaux ou sur plusieurs bateaux, comme tu n'as qu'un seul corps, on a une méthode pour te sauver qu'on installe. Mais si tu veux à la fois ceci et cela, comment peut-on le faire pour toi? Ton corps ne sera-t-il pas en désordre? On peut seulement cultiver en se dédiant à une seule voie. Les êtres éveillés te regardent. Ton xin-xin n'est pas bon. Tu veux à la fois ceci et cela. Tu fais absolument n'importe quoi. Si ces êtres supérieurs avaient un mauvais xin-xin, ils entreraient en conflit ou se disputeraient à ton sujet. Tu ne peux toucher à ces choses qui m'appartiennent. Je lui ai implanté ceci, je le sauve de cette façon. Mais moi, je le sauve comme cela. Tu n'as qu'un seul corps. N'y aurait-il pas une bagarre? Mais leur xin-xin est bon.
aucun d'entre eux ne se souciera de toi. Ils ne se mettront pas à se battre. Il s'agit du problème de ton xinxin qui est mauvais. Certains sont séduits par des pouvoirs mineurs et des techniques insignifiantes et les recherchent. Ils regardent quel genre de capacité certaines personnes ont, comment le yuanchen de quelqu'un peut faire ce qu'il veut, comment quelqu'un d'autre est capable de faire telle et telle chose. Tout cela concerne des capacités mineures et des techniques sans intérêt. Elles ne sont rien. Elles ne peuvent te faire obtenir le fruit juste. Seul un fa juste te permet d'obtenir le fruit juste. On dit que dans cette période de fin du fa, les lutins, les démons, les fantômes et les monstres ont surgi. C'est ce que Shakyamuni a dit. C'est ce que disent les religions. Ils apportent le chaos partout dans la société humaine. En fait, la période de la fin du fa dont Shakyamuni parle est précisément maintenant. On est déjà arrivé à la phase terminale de cette période de fin du fa. Je dis à tout le monde, où dans la société humaine y a-t-il une terre de pureté? Pensez-y, les conflits entre les gens sont devenus déjà si aigus. Où y a-t-il une terre de pureté? Même la vie normale des êtres humains est perturbée et détériorée par certains. Il n'y a pas de terre de pureté. Bien sûr, inversement, je dis que notre Falun Gong est une terre de pureté. J'ose dire cela. Nos élèves, après avoir terminé le séminaire, auront leur xinxin élevé à de très hauts niveaux. Chacun étudie le fa, agit en accord avec le fa et s'impose des exigences en accord avec le fa. De tels exemples sont nombreux dans la vie concrète. Au travail, on se comporte très bien parce que vous êtes une bonne personne. Tu veux être un pratiquant, tu dois être une bonne personne en toutes circonstances. Au travail, tu es très diligent, tu fais de bonnes choses pour les autres, et tu ne cherches aucune récompense et ne laisses aucun nom. Lorsque les gens te font du mal, tu ne te querelles pas avec eux. Je dis qu'il y a très peu de gens comme cela maintenant. Mais dans notre Falun Gong, ils sont nombreux. C'est un phénomène courant. C'est pourquoi j'ose dire que nous sommes une terre de pureté. Alors, il y a quelques personnes pour qui les pouvoirs supranormaux sont très importants. Les pouvoirs supranormaux ne déterminent pas le niveau de la cultivation. Ils sont juste un produit dérivé de la cultivation. Et chacun en a. Mais sans l'élévation de son niveau, sans être renforcé par l'énergie qui vient de l'élévation du xinxin et de son niveau, rien ne marchera. Même si tu en as, c'est comme si tu n'avais rien. Ainsi, le point crucial est le gong qui se développe par la cultivation et qui détermine ton niveau. Ce gong que l'on reçoit par la cultivation est produit par l'élévation du xinxin. Pour juger alors si une personne est bonne ou mauvaise, ou pour juger du niveau de sa cultivation, on doit regarder le xinxin, la hauteur du xinxin. Je dis que c'est le seul critère par lequel on peut séparer les gens en différents niveaux. Évidemment, grâce aux pouvoirs supranormaux, nous pouvons aussi voir la hauteur actuelle du niveau. Je pourrai y revenir dans les conférences qui suivront. Comme le temps est limité, je n'en dirai pas plus. Tu ne peux jamais différencier le niveau des gens par les pouvoirs supranormaux. À la fois à Pékin et à Changchun, nous avons vu surgir de tels gens. Après avoir pratiqué un peu, ils ont cessé de respecter quiconque. Ils commençaient à penser « Le niveau de mon œil céleste est si haut et je suis devenu capable d'apprendre le Falun Gong. Donc je ne suis pas une personne ordinaire, n'est-ce pas ? Parmi ces élèves du Falun Gong, mon œil céleste était le mieux ouvert de tous. Je suis meilleur que tous les autres. » Plus tard, cet attachement, en fait, c'était son propre attachement qui a surgi. Dès que cet attachement a surgi, c'est très grave. Il peut grandir. Cet individu devient très satisfait de lui-même et se met à regarder les autres de haut, et d'autres attachements vont aussi apparaître. Alors ça s'est développé jusqu'au point où il a dit « Je suis si capable, je ne suis probablement pas une personne ordinaire. » Et finalement, même moi, il ne me respecte plus. Il a dit « Apprends auprès de moi, je suis le Bouddha, n'apprends plus de Li Hongzhi. » Deux individus de ce genre sont apparus, l'un à Pékin, l'autre à Changchun. Tous deux pour la même raison. Ils pouvaient voir avec leur œil céleste. Quand une personne en arrive là, elle est complètement fichue. Elle est ruinée totalement, totalement ruinée. Elle se met à dire des absurdités. Parlons ensuite d'une autre question. Hier, un petit nombre de gens, un très petit nombre avec une santé extrêmement mauvaise, ont déjà commencé à avoir quelques réactions. Et ces réactions ont été plutôt fortes.
Un autre groupe de gens a remarqué en rentrant qu'ils se sentaient bien dans leur corps. De nouveaux élèves et quelques anciens élèves qui ne se sont pas vraiment conformés aux exigences du Falun Gong auparavant auront aussi une réaction forte dans leur corps, qui commencera aujourd'hui. Beaucoup de gens auront cette réaction, car durant ces quatre premiers jours, nous devons purifier ton corps. C'est pourquoi cela arrive plutôt violemment. Durant le temps qui reste, nous devons ajuster ton corps et le mettre en ordre. À la fin, certaines personnes développeront aussi du gong. Puisque le séminaire comporte 10 cours ou dure 8 jours, cela surgit plutôt violemment. Dans le passé, nous avions des séminaires qui duraient 7 jours, mais comme les maladies de certaines personnes étaient éliminées trop brutalement, celles-ci avaient tendance à s'évanouir. Donc, je ne fais plus de séminaires de 7 jours. Le minimum est 8 jours. Par ailleurs, nous essayons de prendre en considération les gens qui viennent de l'extérieur, qui sont venus ici en voyageant des milliers de kilomètres. La dépense est très élevée, la nourriture et le logement sont une charge pour eux. Nous essayons de raccourcir le temps, mais on ne peut pas le faire plus. On peut seulement le raccourcir jusqu'à 8 jours. C'est pourquoi il y a des réactions violentes. Un séminaire de 10 jours est le plus stable. Concernant certaines personnes, disons-le à tout le monde et déclarons-le d'avance. Tu pourras sentir un mal de tête, le cerveau te fait mal, une partie de ton corps qui avait l'habitude d'avoir une maladie devient douloureuse à nouveau. Elle devient maintenant inconfortable. Tu te sens malade ou a des vertiges, ou même tu t'effondres, comme si tu avais une grave maladie ou une grippe sérieuse. Il peut y avoir toutes sortes de situations. Chacun n'éprouvera pas tous ces états. Certaines personnes éprouveront cet état-là, d'autres un autre état. Certains qui ont des maladies partout sentiront que leur corps tout entier est froid, comme s'ils étaient tombés malades. Comme je l'ai dit hier, aujourd'hui, nous enlevons les racines des maladies dans ton corps. On te les enlève complètement. Quand les racines des maladies sont complètement enlevées, il reste un champ. Ce champ permet à la substance de la maladie d'exister. Ainsi, ce champ doit être dispersé. Une fois dispersé, il sortira de ton corps. En principe, nous pourrions nettoyer ce champ pour toi aussi. Mais cela ne peut pas être fait de cette façon. Pourquoi ? Aujourd'hui, nous faisons déjà beaucoup pour toi. Si tu ne pouvais rien endurer de ce champ toi-même, et que nous l'enlevions complètement pour toi, cela ne se conformerait pas au principe de l'univers. Ainsi, tu dois en supporter un peu. C'est pourquoi il y aura différentes réactions. Tu te sens mal ici ou là. Mais je te dis, ce n'est pas une maladie, c'est une bonne réaction. L'extrême atteint, nécessaire est le renversement. Plus tu te sens mal, plus proche peut-être est déjà ton amélioration. Il y a des gens qui sont des exceptions. Certaines personnes sont dans un état critique, très sérieusement malades. Mais elles ne nous l'ont pas dit et se sont inscrites au cours. Ces gens ne comptent pas. Si tu as une mauvaise réaction, alors va à l'hôpital sans retard. Nous faisons cela seulement pour les pratiquants. Si je le faisais pour toi, je commettrais un méfait, j'aurais violé les grands principes de l'univers, je serais même puni. Nous avons déjà ouvert la porte très largement. Nous avons fait une chose, une si grande chose, à une telle échelle qu'elle ne doit pas être sabotée. Ainsi, les gens pourront avoir différentes réactions. Certains une diarrhée ou vomir. Certaines personnes dans d'autres régions m'ont dit « Maître, durant tout le chemin de retour, je n'ai cessé de chercher les WC, courant d'une toilette à l'autre. Je pouvais à peine remonter mes pantalons. Pourquoi ? Spécialement ici, dans le sud, dans certaines régions, il y a des gens qui mangent n'importe quoi, cru, vivant, n'importe quoi. Ainsi, des êtres subtils et d'autres mauvaises choses se sont accumulées en grande quantité dans l'estomac et dans les intestins. Tout cela doit être nettoyé pour toi. Ainsi, il peut y avoir ce genre de réaction. Il y a moins de réactions semblables dans le nord et plus dans le sud. Comme l'estomac, l'intestin et tes organes internes doivent être nettoyés, tu pourras le sentir. Certains auront seulement la diarrhée, mais pas de vomissement. D'autres, seulement des vomissements, mais pas de diarrhée. Il y a des réactions variées. Les selles de certaines personnes seront même noires ou ensanglantées et auront des matières purulentes. Il en ira de même pour ceux que certains vomiront. Il peut y avoir toutes sortes de réactions, mais elles sont toutes bonnes. Il y a même des gens qui dorment et quand j'ai fini de parler, ils se réveillent. Pourquoi dorment-ils ? Parce que le cerveau humain est le plus sensible. Lorsque nous travaillons dessus, tu ne peux le supporter. Certaines personnes ont une maladie au cerveau et elle peut être grave.
Pour toi, nous devons arranger cela. Pour toucher ton cerveau, nous devons t'endormir, te mettre sous anesthésie. Autrement, tu ne pourrais pas le supporter. Mais le sens de l'audition de certaines personnes, leur partie auditive n'a pas de problème. Ainsi, bien qu'elles dorment très profondément, elles ne manquent aucun mot, entendent et prennent part à tout. Mais malgré tout ce que je dis, dans chaque séminaire, il y a des gens qui s'accrochent à moi pour que je guérisse leur maladie. Certaines personnes, quand je passe devant elles, s'effondrent sur place et ne veulent pas se lever. Ou l'expression sur leur visage est vraiment celle de l'agonie, signifiant « Venez, faites quelque chose pour moi. Je te dis, si je n'avais rien fait pour toi, plus tard, tu pourrais avoir des maladies majeures, être obligé de rester au lit pendant des années, ou tu pourrais mourir. Aujourd'hui, nous avons réduit cela dans de telles proportions pour toi que nous ne pouvons pas en faire plus. Chacun a des quantités de karma différentes. Cependant, comme nous l'avons déjà dit, pour les personnes qui sont dans un état critique, si tu te sens mal, va à l'hôpital sans retard. C'est tout pour aujourd'hui.